Bonjour maître. Bonjour Achille International. Ok, moi je vous connais bien, mais le fidèle téléspectateur de la chaîne Brazza Sport Magazine aura aussi besoin de vous connaître. On vous appelle comment maître? Maître Stanley Otoka. Mm-hmm. Et maître Stanley Otoka, aujourd'hui nous sommes bel et bien dans votre club. Mais comment ça s'appelle votre club? Le club Judo Club Awa mm-hmm. de Mukondo. Voilà. Et Judo Club Awa de Mukondo, qu'est-ce qui se passait ici maître? Passation de ceinture. Mm-hmm. Et comment vous avez trouvé l'événement? L'événement s'est bien passé nous, avec les autres, avec tous les autres frères japonais qui étaient venus nous accompagner. Mm-hmm. Et ça nous fait un moment plaisir par cet événement. Voilà, vous avez présenté d'autres personnes, comme vous venez de dire, elles sont venues vous accompagner, mais il y a aussi des présidents du club qui sont venus donc épauler donc cet événement avec une belle ambiance. Mais quels sont les mots de remerciement que vous pouvez dire à toutes personnes qui ont tenu bon donc de soutenir cette activité, d'aller en avant jusqu'à arriver à la fin? Merci. Je remercie tous les frères et dames qui sont venus nous rendre visite. Je remercie énormément le président Dibal, le président Okwaka, et pour cette disponibilité qu'il nous a donnée de venir nous voir ici. Ça nous fait énormément plaisir qu'il reste avec nous définitivement éternellement. Et nous tournons cette forme HB International, Issa Nebola à côté de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de HB? HB International, je souhaite énormément d'abord les remerciements à HB International pour ce bienfait et pour sa disponibilité pour nous, les hommes des arts martiaux congolaises. Il met son temps pour nous et nous, je le remercie infiniment. Et ce que je peux dire énormément pour son anniversaire qui vient, je le souhaite.